Hey matelot, ici Défroid pour aujourd'hui vous présenter une vidéo que je voulais faire depuis déjà pas mal de temps mais que j'avais eu grosso modo la flemme hein, de la faire. Euh, en gros, c'est une map sur laquelle, une map pack de mes derniers bateaux. Vous savez que j'en fais régulièrement hein, des maps comme ça. Euh, c'est la troisième que je fais exactement. La première était euh, la 19 Awesome Ship et la deuxième euh, 15 Amazing Ship si je me rappelle bien. Euh, où je présente en fait des packs de, de mes derniers bateaux dès que j'en ai une petite vingtaine, une quinzaine de bateaux. Et donc, euh, bah donc j'ai une quinzaine de bateaux en plus dans, dans mon stock personnel. Et donc du coup je vais vous... Je vous présente hein, tout simplement à vous euh, la map sur laquelle ils sont tous réunis. Et vous, Elle est disponible en téléchargement, hein, c'est pour ça que je présente cette map. Alors, euh, le spawn de cette map est euh, un petit, une petite île finalement. Euh, une île euh, qui, qui, qui est petite, très sympathique, avec plein de constructions dessus. Euh, complètement bondée, il n'y a plus de place du tout dessus. Hein. <coughs> avec un petit port avec euh, des yachts. Des petits yachts, hein, donc ici c'est juste une reprise de, de mes anciens tutos. Euh, glou, glou là je suis en train de me noyer. Là c'est aussi la reprise de mon deuxième tutoriel mais en fait celui-là c'est l'original à partir duquel je me suis inspiré pour faire le tutoriel en fait. Voilà. Donc euh, voilà, sinon j'en ai fait un autre ici que je voulais faire en tuto à la base mais j'ai eu un flemme hein, au bout d'un moment. Et celui-là c'est une autre version encore hein, transformée euh, de, de ce petit yacht d'une vingtaine de blocs de long et du coup cette map euh, contient euh, contient pas mal de bateaux alors je les ai pas comptés j'aurais peut-être dû la petite montgolfière ici alors ouais j'ai pas mal insisté sur les petits détails de décoration sur cette map et des petits nuages en, en toile d'araignée il euh, y a une montgolfière il y a des maisons aussi sur le côté des euh, bah, sur les côtes en fait parce que là il y a une il y a une île et l'océan autour, sauf que autour de l'océan il y, y a une côte, euh, c'est une grosse baie hein, plus qu'un océan tout simplement. Et de chaque côté de l'île vous avez différentes sortes de bateaux qui ont été présentés. Alors ici ce sont euh, certains bateaux que j'ai envoyés au Flag Server, pas tous. Celui-là par contre n'y était pas. Par exemple, celui-là c'est le plus vieux bateau que j'ai fait hein, sur cette map là. Euh, et celui-là aussi qui est très très sympathique. Alors le verre aussi que j'ai mis parce que, parce que j'avais la place. Celui-là il est vraiment sympathique. Euh, notamment au niveau de, sa, de, au niveau de la forme de sa coque. Et le petit verre que j'ai fait parce que j'avais la place. Mais il n'est pas du tout aménagé. C'était juste un test à la base. Oh, au final je me suis dit pourquoi pas le mettre. Et puis, et puis je l'ai mis tout simplement. Euh, donc voilà comme je le disais j'ai mis aussi quelques décorations autour de, des bateaux. Euh, là, j'essaie de faire charger la map, je reviens. Ok, ouais, donc c'est un petit peu mieux avec les maps chargées. Donc voilà, par exemple, c'est une petite maison moderne que j'avais fait en, en Let's Build sur ma chaîne secondaire que je vous avais présentée euh, il y a quelques temps. Il euh, n'y a rien de nouveau, hein, véritablement, sur cette, euh, sur cette map. C'est juste des anciens bateaux que j'ai mis, euh, qui étaient sur la chaîne que j'ai déjà présenté, que je mets disponible en téléchargement. Il y a les deux, les petits, euh, les petits euh, yachts là-bas que je n'avais pas présentés dernièrement, mais, mais ceux-là, ils sont assez négligeables par rapport à ce qu'il y a déjà de présenté sur la map. Euh, j'ai du mal à faire charger les chunks, visiblement. Alors, euh, là, c'est le Victory qui ne change pas. Là, ce sont les autres gros yacht comme, euh, comme celui là hein, tout simplement alors là le pack de textures que j'utilise c'est le devscape que j'avais déjà utilisé auparavant euh, qui est vraiment sympathique je trouve hein. c'est un peu un mélange entre le on On et le et le enfin c'est un mélange un peu euh, enfin ça donne l'impression d'un chax pur craft euh, mélangé au soir mélangé au, euh, au On on le Alors celui-là c'est l'Atlas que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une belle ligne. Euh, du moins sur les sur le sur les plans originaux que j'ai trouvé. Hein. Après, euh, à bout de juger la, la reproduction que j'en ai faite, je me suis cogné contre la Bretagne. Donc j'aime beaucoup ce bateau. Et évidemment, le La Bretagne, hein, le bateau qui, a, euh, qui est techniquement le plus abouti de tout ce que j'ai réalisé pour l'instant. Parce que c'est... Euh, notamment au niveau des voiles parce que j'ai mis plein de pellicules de neige de demi blocs de quartz euh, d'escalier en quartz aussi dessus et tout il y a la la coque du bateau qui est très très très, très travaillée aussi beaucoup plus de cordage euh, les voiles euh, mieux faites en général il y a que les haubans finalement que j'ai mal euh, mal géré par rapport au par rapport au soleil royal alors il y a toujours des petits bugs d'ombre ici hop mais voilà, donc je vous donne tous ces bateaux-là disponibles en téléchargement. Il y en avait certains qui étaient déjà disponibles, mais qui étaient quand même sur la map. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un map pack. Une map pack. Un map pack. Oh non, une map pack, hein, techniquement. Euh, donc du coup, je vais m'attarder sur ce que vous ne connaissez pas et notamment, euh, notamment le, le, le paquebot que j'ai fait derrière là. Mais évidemment, vous avez aussi euh, de disponible le soleil royal, hein, le fameux. Euh, celui qui a été pas mal accueilli sur Planète Minecraft mon plus beau bateau hein, pour l'instant euh, j'ai pas prévu d'en faire un, un meilleur pour l'instant alors celui que vous ne connaissez vraiment pas c'est celui-là c'est le Ponant c'est une, une reproduction d'un yacht de croisière de la compagnie du Ponant qui est euh, que, que j'apprécie beaucoup hein. c'est une compagnie que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont plein de bateaux très sympathiques euh, j'avais déjà fait un de la compagnie du Ponant, il s'appelait Le Ponant hein, tout simplement, c'était un yacht à voile euh, que j'avais fait sur une ancienne map que j'avais fait, pour ceux qui se rappellent c'est la map relief, ah oui alors évidemment euh, si vous comptez voir euh, euh, des aménagements intérieurs de folie, euh, c'est pas sur euh, cette map là que vous allez en trouver puisque je n'ai pas fait l'intérieur des bateaux, comme vous me connaissez moi et la décoration d'intérieur c'est pas tout à fait mon truc, mon méga délire. Euh, le spawn aussi, vous ne connaissez pas forcément très bien, alors c'est un spawn que j'ai fait complètement à la main, alors qu'il n'existait pas du tout, même l'île en elle-même n'existait pas euh, avant que je la commence, et je l'avais fait à l'époque dans un esprit de cross-the-time, comme on dit, euh, qui traverse le temps avec un... Un, un spawn ici qui fait en euh, dôme euh, des colonnes en marbre et tout, qui fait un peu penser à un style plutôt grec, gréco-romain. Ici, vous descendez un peu, vous avez un style médiéval, et si vous redescendez encore, bah, vous avez un style euh, moderne. Donc voilà, c'était un, un quelque chose comme, fin, qui disait, comme plus vous allez vers la mer, bah, plus c'est moderne, euh, et plus le temps passe finalement. C'était un peu la symbolique. Qui veut rien dire au final, mais bon, euh, c'était mon délire à l'époque. Et toutes les maisons sont différentes. Euh, Ce des petites maisons complètement vides aussi, qui sont faites, euh, faites d'une traite, faites comme ça. Mmh, bon, qui sont assez sympathiques pour le coup, qui, qui qui vieillissent vachement mal parce que ça fait longtemps que je l'ai fait cette, cette map hein, pour le coup. Et donc du coup, ben, je vous la mets en, à disposition. Euh, puis voilà. Vous en faites ce que vous voulez, hein, juste si vous l'utilisez, si vous utilisez un des bateaux euh, dans vos projets, sur vos maps ou sur vos serveurs, juste indiquer une petite pancarte sur le bateau, histoire de dire que c'est moi qui l'ai fait. C'est la seule et unique hop, euh, condition. Ok, euh, je viens de faire charger la map. Et vous voyez que c'est quand même assez sympathique. Il hein, y a plein de bateaux. Euh, je ne les ai pas comptés. Il y en a un, deux, trois. Euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 euh, Je sais plus si j'ai compté le soleil Donc 18 Ouais il y a une bonne Une petite vingtaine de bateaux Voilà Alors si on se met normalement Dans la montgolfière On a une belle vue Parce que je l'avais fait spécialement pour ça Par contre je vous déconseille d'allumer la, la netherac Au dessus Parce que vous allez à ris vous risquez d'avoir une sacrée surprise Hop euh, Ça va pas forcément marcher comme vous, le... Santé, hop, alors évidemment, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse vous utiliser ou prendre tous les bateaux que vous voulez pour vos maps, pour vos créations, pour vos serveurs, comme vous le souhaitez. Sur ce, moi je vous laisse euh, bonne utilisation et bon jeu à vous de la map sur la map. Et sur ce, je vous laisse à plus pour euh, la prochaine vidéo qui sera normalement la map de Projet Genesis. Et sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous. Bon vent, bon matelot, et à la prochaine.